Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'étais en train de bosser, je me disais s'il va y avoir du monde, tout ça, ils m'ont dit oui, tout ça, je disais, ouais, moi je veux voir par la preuve, donc je suis très content qu'il y ait autant de gens à l'élection. Et je disais ça aux gens, ils me disaient, mais non, ne t'inquiète pas, je dis, mais moi qui suis un acteur de théâtre aussi, moi qui ai joué devant des salles un tiers pleines avec derrière vide, dès que je vois une salle pleine, on est très très content. Ça, c'est le syndrome des acteurs de théâtre, parce qu'on sait ce que c'est que. Donc merci beaucoup d'être tous là, ça me fait très plaisir. Alors, pour présenter le film, je n'ai pas très bien à quoi dire, parce qu'à votre place, je n'aimerais pas qu'on parle trop avant la production du film. Donc, je vous dirais que c'est un. Je crois pas, c'est 2h40. Couleur. Hier soir, j'ai vu La règle de 3, votre moyen métrage, qui avait eu le prix Jean Vigo, et qui a le même trio d'acteurs. Et puis, comme si votre long métrage était une sorte d'expansion détournée de. Alors pourquoi avoir repris le même trio et puis. Les deux histoires, à mon sens, n'ont pas de. Ils sont assez éloignés, surtout les. Parce que dans mon court-métrage, c'était une relation camaraderie. Moi, j'insistais pour que dans ce film-là, les deux amis, ce soit vraiment une relation très. Que ce soit deux amis. Vous voyez ce que je veux dire, le film, il est construit sur un rapport entre deux garçons comme Laurel et Hardy, c'est-à-dire un qui dit tout à l'autre, mais t'es fou, calme-toi. D'interdépendance. Un pense être plus libre que l'autre, en fait, si on en prend un, on l'enlève, l'autre se retrouve tout seul. C'est vraiment un duo de. Après, il y avait le plaisir d'imaginer une sorte de conjugalité à, pareil au grand couple, au grand duo de cinéma, comme la scène de fin, par exemple, la scène de rupture, c'est vraiment une scène de couple, hein, où on comprend qu'on est avec deux garçons de 30 ans dans une chambre. Mais oui, c'était comme si Laurel et Hardy disaient « je t'aime plus, Laurel, moi non plus ». Et c'est vrai que ça produit aussi une étrangeté, je pense, parce que c'est comme si ils avaient, comme si ils n'avaient pas fini de grandir. J'accumule devant ma réputation, de la famille de laquelle je viens, je me sens plus mon côté, je fais la gueule tout le temps. Enfin, les gens, ils ont une sorte d'image de moi terrible. Parfois, en gros, les gens pensent que je suis tout le temps au Flore à Saint-Germain, en train de lire un livre, me surend. Mais, donc moi, je me suis dit, mon premier long métrage, si j'arrive avec deux garçons et une fille, ça va être la catastrophe. Ils vont dire, voilà, nouvelle vague, je vais les gym. En sens, les gens se trompent, parce que déjà, deux hommes et une femme, c'est le monde entier l'a fait. Je me suis dit, si j'arrive devant les financiers, parce que le film, il faut arriver devant les financiers, si j'arrive à deux hommes et une femme, moi, ça va être catastrophique. Je me suis dit, allons plus loin la catastrophe, demande à Christophe Honoré de venir avec moi, qui lui aussi, d'une certaine manière, a été détesté et aussi adoré, hein, mais qui est aussi d'une manière, je sais pas, on l'a. Il y a ce mot affreux que les gens disent dans les journaux, qui s'appelle bobo. Je veux pas, en gros, je disais un mec sympa, en fait.